Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce live avec notre petite configuration maison. Comme ça, quand on a la maison, qu'on fait des jeux de société, on peut aussi faire des petits lives de présentation de jeux, de tests de jeux et autres, un peu plus à la one again qu'au magasin. Et puis surtout, ben. Maintenant, tu peux la réveiller. Tu dis bonjour? Coucou! On vous présente Persil, un des trois chats de la maison. Il y en a un qui est sauvage que vous verrez sûrement pas, et l'autre pesé que vous entendrez parce qu'il ronfle. Voilà, Voilà. présentation faite. Donc, ce soir, on joue à Minecraft Builders and Biomes. Biomes, bah, en anglais, comment tu le dis? C'est toi l'expert. Ouais, mais j'ai jamais dit ce mot en anglais. Je sais pas. qui est un jeu de chez Ravensburger et donc ça reprend la licence de Minecraft et c'est étonnamment très bon. On pourrait s'attendre à avoir un jeu un peu pas très bien, mais au final ben ça tient complètement la route. On est à peu près sur 45 minutes de partie, 2 à 4 joueurs pour des joueurs âgés de 10 ans et plus. On est donc sur un jeu de stratégie, de gestion de ressources, de combat, qui est vraiment très sympa. Le petit reproche qu'on pourra lui faire, c'est peut-être la qualité du matos, parce que c'est vraiment cheap. Donc voilà, donc si jamais moi j'incarne le personnage vert, et Vanny va incarner le personnage bleu. C'est quand même bizarre, il était vert avec la tête jaune. Moi, je suis bleu avec la tête rouge. Ouais, mais c'est parce qu'il y a plein de skins différents qui correspondent pas forcément à la couleur des socles. Ouais. Tu choisis ton skin en fait. Parce qu'ils sont des skins, j'imagine, que tu retrouves aussi dans Minecraft. On n'est pas des experts de Minecraft, hein, donc. Non, pas du tout. Je crois que j'ai jamais joué. Non, zéro. Non. La honte. Voilà. Du coup. À notre tour de jeu, c'est très simple, on fait deux actions différentes parmi cinq disponibles. Donc on peut prendre des blocs ici. On peut se déplacer de 0 à 2 cases. Donc les déplacements se passent toujours dans les intersections. Passer d'une intersection à une autre, tout est considéré comme étant se déplacer d'une case. Dès qu'on arrive à un endroit, on va retourner les tuiles qui sont directement adjacentes. Pour voir ce qui arrive. On a soit des tuiles bâtiments, soit des tuiles monstres. Et c'est comme ça qu'on pourra combattre des monstres ou qu'on pourra construire des bâtiments. Qui est justement l'action suivante. Construire. Pour construire un bâtiment, on va dépenser les ressources. Les ressources, ce sont donc les blocs que l'on récupère avec la première action. Ah, il y a Persil qui s'en va. Il va revenir, vous inquiétez pas. Et du coup, quand on construit un bâtiment, on le place sur notre plateau personnel. Le plateau personnel est déjà constitué de certains nombres de cases. Il y a trois cases sur trois et il y a un certain nombre de biomes. Ces biomes vont nous permettre de scorer des points à la fin de chaque phase de scoring. L'action suivante, c'est combattre un monstre. Donc là, on va avoir un petit paquet de tuiles coffres comme ceci. Et quand on combat des monstres, on va les révéler. On en révèle à chaque fois trois. Bonjour. Oh, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc, on en révèle 3 de tuiles dès qu'on combat un monstre et on va calculer le nombre de dégâts que l'on inflige. Bien évidemment, donc ça, ce sont des patates. Les patates ne servent à rien. Et du coup, on inflige 0 dégâts. Donc là, j'infligerai un total de 2 dégâts puisque j'ai 2 patates et une épée. Au fur et à mesure de la partie, on pourra également récupérer une arme. Ces armes, ce sont les petits coffres que l'on retrouve tout au bord du plateau. Donc, on pourra se déplacer à ces endroits-là, donc à ces intersections, pour révéler les armes ainsi que les tuiles, et soit combattre un monstre, soit récupérer, enfin construire un bâtiment, ou alors récupérer une arme pour l'ajouter à notre paquet d'armes. Donc il y a un petit côté deck building aussi à ce jeu. Donc voilà, maintenant que j'ai fait un récapitulatif global des éléments de jeu, on va passer au jeu. Ah oui, dernière petite chose, dès qu'on finit un étage du grand bloc de cubes, de ressources, on va faire un scoring. Il y a trois scorings puisqu'on va finir trois étages. Le quatrième étage étant là pour avoir un petit peu de flexibilité sur les ressources. Donc dès qu'on finit un étage, on fait le premier scoring, deuxième étage, le deuxième, et finalement le troisième,
le dernier scoring pour avoir le score final qu'on va noter tout autour de notre plateau personnel. Donc, Je peux juste dire une chose. vas-y. Je viens de découvrir que ça, c'est un coffre. Oui. Mais je ne savais pas. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que c'était ce dessin? Donc oui, c'est un coffre. Ok, merci. Ce soir, je peux aller dormir tranquille. J'ai appris quelque chose de nouveau. Oui. Donc, je commence à mélanger mon deck. Qui commence? C'est toi. Bah oui. Ah, on n'a pas utilisé choisi. Non, on n'a pas utilisé choisi. C'est plus facile à deux que d'allumer son attel Bah, surtout qu'il est et autres. occupé pour autre chose, Oui, bah oui. entre autres. Très bien, bon. Alors, bah, on va partir à la découverte. Donc, je me déplace de 1 et 2. Du coup, je peux retourner. Toutes Et les tuiles puis, adjacentes. donc, je commence déjà avec des monstres en terrain. Et. Donc les armes, il y en a plusieurs types. Ici, par exemple, on a de la TNT. La TNT fait beaucoup de dégâts. Voilà, là, on voit qu'il y a 5 cœurs. Mais par contre, à usage unique, une fois qu'on a utilisé la TNT, elle sort de notre deck. Donc c'est à usage unique. Mais par contre, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc on est presque sûr de tuer un monstre. Ensuite, il y a ici l'arc qui fait 2 dégâts. Mais par contre, qui permet de tirer avec le petit symbole qu'on voit. Ici, de tirer un coffre supplémentaire lors des combats. Donc ça, c'est vraiment très très cool. C'est pour ça que je décide de la prendre, de le prendre. Ouais, la prendre, l'arme. Ok. La arme, ça va. Et le arc. Le arc. T'as fait tes Et deux je actions. fais mes deux actions. C'est à toi. Ok. Bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me souviens plus, on peut ne pas se déplacer et Ouais, ramener les tuiles. c'est marqué là de 0 à 2 cases. Heureusement qu'il y a un récapitulatif de jeu. Hein. Ouais, mais les autres, tu peux pas le lire. Ouais, mais le récapitulatif de jeu sert à répondre à ce genre de À questions, en fait. part ça, je tiens à préciser que c'est juste minuscule, mais on a vraiment tout. On voit pas, il y a les reflets. Toujours Pas toujours après. Ouais, bon, bref, c'est tout petit. le reflet. 3, 4, il y a 5 phrases et ils expliquent les règles du jeu. Donc, en quoi c'est vraiment très simple. Ouais, mais par contre, la stratégie est quand même vraiment bonne. Bah, du coup, moi, je vais récupérer ça. Et puis... Je vais faire comme ça. Approcher juste un petit peu le cube. Voilà. Donc j'ai récupéré deux cubes, ça c'est ma première action. On sait jamais les a récupérés derrière. Ouais, ici. Donc quand on récupère des cubes, on peut toujours récupérer un cube uniquement s'il y a au moins trois faces de disponibles et donc de visibles. Par exemple, ce cube là, je sais pas si on le voit bien. Voilà. Ce cube là, hop, celui-ci, il y a une, deux et trois faces, donc il serait disponible. Par contre, le cube juste à côté, il n'y a que une et deux faces. Donc on ne pourrait pas le prendre. Donc c'est pour ça que j'ai récupéré ces deux cubes. Donc j'ai récupéré celui-ci, non pardon, celui-ci, qui m'a permis de libérer celui-là. Voilà, donc ça c'est ma première action. Maintenant je vais faire ma deuxième action. Qui sera... Un. Et deux. Je vais me déplacer ici. Il y a du monstre. Il y a du monstre. Voilà, j'ai fini mon tour. Bon, allez, 1 et 2, je retourne au milieu, comme ça je peux regarder. T'as bien mélangé, hein? Non, mais c'est pas. Il y a beaucoup de monstres. Alors, les monstres, il faut savoir plusieurs choses. Les monstres vont nous servir soit à avoir des bonus, comme par exemple celui-ci, rejouer immédiatement un tour dès qu'on le retourne face cachée. J'essaie de montrer. J'arrive déjà à le prendre. Ce sont des... Ouais, on voit pas très bien avec le reflet de nouveau. Bon, bref. J'ai essayé, hein. Et du coup, il nous fait gagner aussi des points de victoire qui sont notés juste ici. Il a 5, 4 points de vie, pardon.
Le même monstre ici peut présenter d'autres bénéfices. 4 points de victoire, mais par contre, en fin de partie, on gagne 3 points de victoire par bâtiments qui sont d'un certain type de terrain, donc ici du type de terrain montagne. Donc même si on combat un même monstre, ils ne vont pas forcément nous donner les mêmes bonus. Donc voilà. Du coup, c'était à moi. Donc, première action, je me suis déplacé. Deuxième action, je vais combattre un monstre simple. Trois patates. Allez, trois patates. Voilà. Ah, j'ai gagné en cube en plus. Non, c'est que tu pioches une carte supplémentaire. Ah, une carte supplémentaire. Enfin, une carte, hein, une tuile. Bon, Une patate! une patate sur. J'aurais pu faire les autres monstres en plus. Bah ouais. 4-5. Bon, bref. Donc, en récupérant ce monstre, Vanny pourrait immédiatement l'utiliser pour faire une action supplémentaire. Quand on fait des actions supplémentaires, on peut faire une action qui a déjà été effectuée pendant ce tour. Ah, je vois qu'on a une deuxième personne qui nous a rejoint. Hello! Et une autre personne qui regarde pas le match. Ouais, depuis chez nous, on a une fan zone de la Coupe de l'Euro, du coup on entend à chaque fois qu'il y a un but ou quelque chose. Du coup, voilà. On sait que ce soir il y a un match apparemment important, mais alors on n'a aucune idée de qui c'est. Et donc, du coup, je vais utiliser l'effet de la carte, hop, pour rejouer un tour. Par contre, avant ça, tu peux gagner les 2 points de victoire quand C'est même. vrai, merci, j'avais oublié. Un et deux. Oh, en terrain. Voilà, j'ai fini mes deux actions et demie. C'est à toi. Alors, Est-ce que tu vas combattre un monstre? non, je vais commencer par récupérer encore des cubes. Je vais prendre un vert. Alors, il faut savoir que le cube vert est un cube bonus, un cube joker. Donc, on peut l'utiliser comme un cube de n'importe quelle autre couleur. Ce qui est vraiment très très bien. Je vais prendre ça et du coup, je prends aussi le noir. Ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, je vais dépenser 3 cubes pour récupérer cette tuile, puisque cette tuile. C'est mentionné en bas, me demande 3 cubes comme ceci. Dès qu'on récupère une tuile, un bâtiment, on va pouvoir le placer n'importe où. On a le droit aussi de recouvrir des bâtiments qui sont déjà placés. Ça nous permet d'obtenir d'autres bonus ou alors de reformer un petit peu le biome afin d'optimiser nos points de victoire. Ici, je vais le placer à cet endroit-là, ce qui va me permettre en fait d'avoir 3 terrains de même type, donc pour optimiser mes points de victoire à la fin du premier décompte de points, puisque on va en fait compter le nombre de cases adjacentes qui correspondent au même type de terrain. Donc voilà, les cubes ensuite sont défaussés. Vous les voyez pas, mais on les remet là. Ils sont vraiment hors jeu. C'est à moi? Ben non, j'ai fait une action. T'as récupéré un cube et t'as T'as acheté un raison. terrain. Tricheur! Alors, première action, je prends deux cubes. Et deuxième action, je vais les dépenser tout de suite pour prendre la tuile qui coûte deux cubes. Est-ce qu'avec l'autre caméra, il y en a? Pas du tout. Si jamais aussi pour la deuxième personne qui vient se connecter ou pour tous les nouveaux, on est en train de tester le matériel, donc ah, il y a encore des choses à faire. Vu que c'est pas le matériel habituel du magasin. Déjà qu'on n'est pas entièrement à l'aise encore avec celui du magasin, mais voilà, là ça permet d'avoir des petits de faire des petits lives un peu sur le pouce comme ça. Quand l'envie nous prend. Deuxième action, je prends. Bah non. T'as déjà fait Ah tes non, deux non, c'est actions. vrai. Déjà, Il fait comme moi. Hein. je l'avais Vous prévu à l'avance. êtes témoin, vous êtes témoin. Ok, à toi. Je vais combattre l'araignée. Des patates. Non, pas de patates. Ah, c'est bon. Oh, j'ai quand même eu deux patates, hein. Ouais, Mais j'ai fait un dégât et elle avait un point de vie. Du coup, je gagne 2 points de victoire.
Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je me déplace ici. Ici, on a une arme qui est aussi très très bien. Cette arme nous permet de gagner 2 points d'expérience, donc 2 points de victoire, à chaque fois qu'on la tire lors des combats. Je vais utiliser l'araignée, le pouvoir de l'araignée qui me permet de refaire une action. Tac, pour récupérer l'arme et la rajouter dans mes coffres. Du coup, suivant. Alors, Je sais pas si vous entendez notre chat ronfler là en ce moment. deux, Mais il ronfle bien fort. et je prends un sable de sable que je vais garder pour Très, après. très monomaniaque. Hein. Par contre, tu peux retourner la tuile C'est là. vrai. Voilà, à toi. Ça, c'est pas terrible. De quoi? Non, rien. Hein? Je vais me poser là. Bon, là aussi, c'est très redondant. Non, moi ça me va. Ça me va bien. Et puis, deuxième action, je vais récupérer. Qu'est-ce qu'il me faut? Je vais récupérer ça. Puis En fait, tu es en train de faire exactement la même chose que moi, je crois. ça. Ou presque. Ou presque. Voilà, j'ai fait mes deux actions. Très bien. Donc, une action, je me déplace. Deuxième action, je vais prendre un cube. T'as le droit de prendre 2 cubes. C'est vrai. Si tu veux en prendre 15, ça me va, hein, mais Ouais, ce serait dommage de. non, effectivement. Deux cubes. Ça marche. Du coup, à moi. Je récupère un cube. Et puis un deuxième cube ici. 3, 4. Je vais dépenser 4 cubes. Donc un joker, un cube noir, du bois et du sable pour prendre ceci. C'est quoi le cube noir en fait? C'est de l'obsidienne. Bah, j'ai quand même une légère culture Minecraft. Alors, plus que moi. Hein. 1, 2, puisque ce bâtiment, vu qu'il coûte cher, il me permet de récupérer 2 points de victoire comme on voit ici. Ah, comme on avait prévu, y a Persil qui arrive. Tu dis bonjour, Persil. Ouais. On s'excuse pour. Voilà, ça c'est le problème de jouer à la maison, c'est que on est entouré de chats. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, première action. Attends, je vais juste regarder qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Ah, je vais prendre un cube vert. Et je vais prendre un cube gris. Et deuxième action, je vais dépenser deux sables et un bras pour prendre un désert. C'est un désert. Oui. Et c'est à toi. Je vais venir là. Première action. Et deuxième action, je vais aller combattre. Deux, quatre. Non, faut pas déconner non plus. Ouais, c'est vrai, t'as des patates. Bah oui, je suis du genre à pouvoir tirer trois patates quand j'ai beaucoup d'armes. Donc
Je vais combattre le. Et pourtant, il n'y a pas de dé. Bien Donc, sûr. Ouais, mais c'est quand même de l'aléatoire. c'est pas la même chose. Donc je vais combattre le zombie qui a 2 points de vie. Donc, oui. Un, de la patate, évidemment. Deuxième patate. Deuxième patate. Et un dégât. Du coup, c'est la loose. Voilà, Ça va? suivant. Bah du coup, moi, je vais combattre. Je me déplace de 1 et je vais combattre lui. Je sais pas ce que c'est. C'est un creeper. Ok. Ce sont des créatures qui explosent en fait quand elles viennent au contact. Et font énormément de dégâts. Alors là, s'il y a vraiment quelqu'un qui aime Minecraft, il va quitter immédiatement, je crois. Une patate, donc deux, et deuxième patate. Yes! C'est ça que c'est bon! Ah, c'est à toi. Bah, je vais retenter le combat. Une patate, deux patates et deux dégâts! Yes! Et en Ah. plus, je gagne grâce à cette arme spéciale, donc comme que j'ai récupéré tout à l'heure, je gagne 2 points d'expérience. Il y en a combien de cette arme? 3, je crois. Trois? Ouais. Et ça, c'est aléatoire, hein, Complètement, ouais. Ok. Ou 2, peut-être. Donc, je l'ai vaincu, je gagne immédiatement. En plus, 3 points de victoire grâce au fait que j'ai vaincu le monstre. Heureusement que je voulais un jeu auquel je pourrais gagner. Et puis, donc, ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais récupérer de l'obsidienne. Et du bois ici sur. J'utilise le pouvoir du zombie pour faire une action supplémentaire et du coup je vais construire. Je vais mettre ça. Je vais mettre ici. Très bien. Suivant. Bah du coup, moi aussi, je vais essayer de Recombattre recombattre le monstre avec... de la patate, Non. de la patate, de la patate. Yes! Ok. Mais j'ai des autres armes. Voilà, c'est pas grave. Allez. Un et deux. Comme ça, je vais regarder ce qui se passe de ce côté. Ok. Du coup, c'est à moi. Je vais me déplacer de 2. On a beaucoup de combats hein, cette fois. Ah, deuxième action, je vais récupérer cette arme. Donc cette arme me permet de récupérer un cube de mon choix, enfin de mon choix, qui soit disponible lorsque je révèle cette arme. Je regardais juste la différence entre la mienne. Ah oui. Bah moi c'est un cube et toi c'est un coffre. Ah, c'est toujours un coffre. C'est Ok. toujours un coffre, C'est oui, toujours un coffre. comme là. C'est bon. À toi. Oh, c'est pas ma première partie, hein, mais je viens de découvrir que c'est un coffre. À moi. Bon. Je me place de 2. Je regarde s'il y a mieux. Ah, non, mais ça, j'aime bien. Allez, à toi. Je vais tenter du combat contre le squelette. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de combats. Hein. Non. Là, on fait vraiment beaucoup, beaucoup de combats. En fait, l'avantage aussi de faire des, enfin, de faire des combats, quand il y a des combats disponibles, il faut bien en faire quand même, parce que ça permet de relibérer des espaces pour avoir des bâtiments qui pourraient être utiles. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que les bâtiments qui sont découverts là en ce moment ne vont pas nous aider dans les stratégies qu'on est en Non. train de mettre en place. Alors, un. Deux, j'ai 3 dégâts, du coup le squelette est vaincu et en plus de ça je récupère un cube. Je vais récupérer du bois. Il me fait gagner 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Et donc il me donnera une action bonus dès que je l'utiliserai. Donc ça c'était ma première action, hein, c'est juste.
Du coup, deuxième action. Je vais me déplacer ici pour révéler ça. Et du coup, je vais utiliser le squelette pour dépenser deux cubes et construire ça. Je voulais le faire, C'est triste. n'est-ce pas? À toi. Bon, comme on est en temps de combat, première action, je vais prendre une arme. Et deuxième action, tu combats. Et deuxième action, je combats. Ouais. On vote pour de la patate, hein, les gens. Pas de patate, pas de patate, patate. Mais par Mais contre, c'est tu peux, bon. tu vois, en plus, tu peux, t'aurais pu tirer une carte supplémentaire. Ah oui, c'est vrai. Et tu gagnes 2 points de victoire grâce à Oui. la faux. Celle-là, je gagne 2 points de victoire. Enfin des points de victoire. Et grâce au monstre, je gagne 1, 2, 3 points de victoire. Alors celui-ci, tu vas le garder de côté. Ce monstre va lui permettre de gagner en fin de partie 3 points de victoire par symbole pont qu'il aura sur les bâtiments qui sont construits sur son plateau personnel. Toujours des reflets, je pense. Voilà. Bon, ça va pas. Du coup, à moi. Je vais récupérer une et deux ressources. Donc, on arrive gentiment à la fin de la première manche, puisqu'il reste que trois cubes sur le premier niveau. Dès qu'on aura retiré ces trois cubes, on fera le premier décompte des points. Étant donné qu'on a déjà bien entamé le deuxième niveau, ça veut dire que le deuxième décompte des points pourrait arriver très rapidement également. C'est ce qui est vraiment intéressant avec ce jeu, c'est tout le côté timing que l'on peut essayer de gérer. Et puis, ça nous permet vraiment d'embêter les adversaires dans ce genre de cas. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime vraiment ce jeu. Il y a ce côté timing qui est assez tendu, quoi. Mais là, moi, je suis en train de... Nager. 1, 2, je révèle. Donc là, on a par exemple deux bâtiments qui ont des symboles pont sur eux. Donc ça permettra à Vanny de gagner des points de victoire en fin de partie. Pareil pour celui-ci et celui-là. Il y a beaucoup de ponts en jeu. Hein. Ouais, mais... Comment dire? C'est pas vraiment ce qui m'arrange le plus en ce moment. Mais par contre, il rapporte beaucoup de points de victoire en fin de Non, partie ça je aussi. sais, mais si je vais les mettre... Ah non, je ne vais pas te expliquer mon... Ta stratégie. ma stratégie. Du coup, hein, c'est C'est mort. un. Bon, du coup, je dépense 1. Ça. Ok, je vais mettre... là. Du coup, c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, chose est certaine, tu peux pas déclencher le premier décompte. Non, pas encore. Ça m'embête. Je vais me mettre là. Et je vais tenter un combat contre le squelette. De la Patate, patate, de de la la patate. patate et 2 points de dégâts. Mais par contre, je peux récupérer un cube, ce qui va être très très cool. C'était pour ta première action? Ou la deuxième? Ah non, tu l'as déplacé. Ouais, je me suis déplacé, c'est la deuxième. Donc le monstre a 3 points de vie. Moi, j'en fiche 2 dégâts, donc il n'est pas mort. Mais je vais en profiter pour récupérer ceci. À moi? Oui. Deux. Et je vais combattre je vais combattre lui. Alors.
2 plus une carte, 2 plus une carte, une patate. Tu le Je crois j'exploites. qu'il est bien. Et du coup, tu gagnes aussi 2 points de Ouais. victoire. Je gagne 4. 1, 2, 3, 4 grâce au monstre. Et 2 points de victoire grâce à 1, 2 à ma carte. Hop. C'est à toi. Je vais le faire. Oups. 1, 2, je révèle ça. Je me demande si tu te concentres que sur les combats, si tu peux gagner vraiment beaucoup de points ou pas. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Du coup, c'est à toi. Parce que j'ai fait mes deux actions. Ouais. Bon, il est temps. Premier décompte. Ah, peut-être pas. Attends. Non, ça m'arrange pas vraiment. Ça m'arrange pas vraiment. Première action et deuxième action, je vais combattre le monstre. 1, 2, 3, 4, 5. Et en plus, tu auras 2 points de victoire supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4 points de victoire grâce au monstre. Et 2 points, 1, 2, grâce à l'arme. Oui, deux actions, c'est à toi. Est-ce que tu déclenches le décompte? Première chose que je fais, c'est combattre de nouveau le squelette. De la patate, de la patate. Et 3 points de vie. 3 Trois points, 3 points. dégâts. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu l'as eu. 1, 2, 3 points de victoire. Et je prends ceci. Même regarder un peu ce qui se passe de l'autre côté. Ouais, je vais prendre ça. Du coup, à la fin de mon tour, vu qu'on a vidé le premier niveau, on passe au décompte. Lors des décomptes, on va choisir en fait un type de terrain parmi les quatre disponibles. Là, on voit qu'il y en a quatre, alors c'est de nouveau avec pas mal de reflets. Et on va calculer la zone la plus grande composée de ces types de terrains adjacents pour gagner des points de victoire. Là, par exemple, Vanny et moi, on va gagner le même nombre de points de victoire puisque on a une zone de 6 déserts. Et on va gagner donc 4 points de victoire par tuile désert faisant partie de cette zone désert. Donc un total, donc ça fait 12, ça fait 24 points chacun. 4. Dans le 4. Voilà, donc le premier décompte est fait. C'est à moi? Oui. Alors, première chose, je vais dépenser 1 et 1 et 1. Du coup, je vais prendre ça. Deuxième chose, je vais prendre un brin et un sable. N'y a plus de sable, non? Ah non, il y en a Il y en a encore encore un, là-bas. deux. Ouais. Ils sont Puis bien là, cachés. là, il y en a encore deux ici. À moi, du coup. À toi. 1, 2, donc première action, je révèle ceci. Sais pas. Là, il y a que des trucs qui t'arrangent, toi, hein, ça m'énerve. Ouais. Je confirme. Bon, on va tenter de combattre le monstre. Je vais faire juste un petit mélange parce que j'ai trop de patates adjacentes. Ouais, c'est vrai. Je prépare aussi pour mes prochains combats. Et puis, je vais essayer de combattre le creeper ici. De la patate, 2 points de dégâts, 3 points de dégâts. Je n'y arrive pas. À toi. Alors, première action, je prends deux cubes. 1 et 2. Deuxième action, je dépense 2 et 2.
Pourquoi je veux prendre ça? Non. J'ai mal vu. Non, je reviens en arrière, je peux. Bah oui. Du coup, deuxième action. Je vais prendre d'autres. On n'y arrivera pas. J'y arriverai pas. Deuxième action. Je me déplace là. Du coup, En fait, j'étais sûr que c'était en pont, lui. non, 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 non. Ah. Maintenant, tu connais toute ma stratégie. Ah là là. Ben, première action, je vais dépenser 2, 1 et 1 pour récupérer ça. Et puis, deuxième action, je vais réessayer de combattre le creeper. De la patate. Un, deux. Là, j'avoue que c'est dommage. C'est dommage. Ouais. Ça fait mal au cœur. Pas vrai, mais. Alors. Allez. Première action. Deuxième action, je vais utiliser un verre. Enfin, deux verres en fait. Parce que je me suis trompé. Oui, je suis un petit peu fatigué. Quatre cubes. Oui, j'ai oublié de gagner 2 points de victoire quand j'ai posé celui-là. Tu pourrais aussi gagner 2 points de victoire en posant le tien. Je vais poser ça. Là. 1, 2. Et c'est à toi. Ben je vais me déplacer ici. Purée. Rien de ce que je veux, ça m'énerve. Moi, je vais prendre ça et ça. Voilà, un et deux que je vais dépenser tout de suite pour prendre ça. Ah oui, bah le troisième chat, ce qui est pauvre, peureux, normalement on le voit pas. Peut-être vous pouvez l'entendre. Il aime beaucoup discuter. Avec les insectes avant de les manger. Ouais. Un, deux. Ça t'arrange pas, hein. Vraiment pas. Bon, on va combattre le zombie. Tu vois, finalement, toi, tu vas gagner, hein. Parce que là, franchement, j'ai du mal, hein. 2 points de dégâts, 5 points de dégâts, c'est ce que j'avais besoin avant. Et une patate. Du coup, je gagne déjà 2 points de victoire pour l'arme ici. Et puis, 3 pour le 3 pour le monstre. monstre. 1, 2, 3. Je vais utiliser son pouvoir immédiatement. Non. Non, ça va être à toi. Ok. Première action, je prends un noir et un brun.
deuxième action. 1, 2. Et c'est à toi. Deux. Deuxième action, je me pose ici. Oh, purée, mais c'est pas vrai. Ouais, c'est triste. Du coup, première action. Attends, voyons, voyons, voyons. Ah, c'est pas mal là. Première action, je prends un cube et deux cubes. Et deuxième action, je dépense les trois. Un comme ça et un comme ça. Ça. Ok, je vais placer ici. Et je vais gagner 4 points de victoire. 1, 2, 3 et 4. Et c'est à toi. En fait, on est en train de utiliser le premier et deuxième étage. Donc les deux décomptes risquent de venir d'arriver très 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 rapidement. Oui. Bon, première action, je prends des cubes. Là et là. Deuxième action, je retourne. Troisième action, grâce aux zombies. Tu vas lancer des patates. Bon, écoute, vu que je suis en retard, il faut que je prenne des risques. Je vais lancer de la patate, ouais. Un dégât. C'est bon. Je l'ai vaincu. Du coup, je gagne lui. Je gagne 1, 2, 3, 4 points de victoire. Du coup, je suis à 51. Je l'utilise pour refaire une action. Je dépense 3 bruns, un sable et un noir. Et tu vois? Et là, j'essaie juste de t'empêcher de faire des choses, hein. C'est tout ce que je suis en train de faire. Bon, avec deux cubes, je vais pas très loin. Ouais, mais ça reste un pont. Ah, c'était juste pour ça. Bah ouais. Tac. À toi. Attends, donc là, ok, non, il y a encore le temps. Première chose, je vais combattre le monstre avec deux, une patate et une patate. C'est bien, c'est bien. Il y a comme une justice dans ce Mais arrête, monde. c'est pas fair play ça. Je rigole. Non. Allez, un, deux. Et c'est à toi. Ouais, les chats. On connaît les loups qui chantent à la lune. Et les chats qui chantent aux insectes. Un, deux. J'y arriverai pas, hein. Et je vais combattre le monstre. Un, patate. Trois, j'y arrive pas. Suivant. J'ai l'impression de tirer toujours les mêmes armes, hein, c'est horrible. 1.
Il n'y a plus rien d'intéressant là. Non. Deux. Et bien, je vais dépenser un et un. Prendre ça. Vais mettre là. À toi. Deux, je révèle ça. Oh, alléluia. Ah, c'est pas un pont. Non. Voilà. Suis très en retard. Ouais, je vois. Ah, peut-être. Je peux gagner. Non, je vais pas prendre ça, c'est trop dangereux. Tu peux combattre le monstre. Ouais. Bon bah tant pis, je vais prendre ça. Hop. À toi. À moi? Ouais. Alors. J'avoue que j'ai un doute maintenant. Allez, un, deux, et je combats le monstre. Alors, J'aurais plus une carte à tirer. avec une patate, C'est bon, tu l'as voilà, il est vaincu. bon. Oui, j'ai les bons clés. Je gagne 5 points victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux rejouer un tour. Oui, je me suis déplacé. Une action. Une action. Oui, par contre. Suivant. Je prends. Oui, effectivement, les deux cubes qui sont là. Je paye 3 noirs, un gris, un sable pour prendre ça. Ça joue pas grand-chose. Alors, 2 et 2 cubes. Je vais essayer de combattre le monstre. Quoique. Ils disent quoi? À 30, 60 minutes. On est à. Ouais, passe. 45 minutes de jeu. Ouais, Non, mais avec les règles, hein. non. 30 minutes de jeu. Ouais, 35-40 plutôt. Si. Oui, allez, je combats le monstre. Patate. Et non. Patate. Et non. Oh. Et voilà. Donc, non seulement je prends un cube, Ah, décompte. en plus, je gagne 2 points de victoire grâce à ça. Je récupère le monstre, je gagne 1, 2, 3 points de victoire et on passe au deuxième décompte. Du coup, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 fois 4, 20. Et moi j'ai 4 fois 6, donc j'ai 24. 4. C'est rien. Du coup, c'est à toi. Mais c'est vrai qu'avec le dernier décompte, avec tous tes ponts, là, ça va. Je Je sais, révèle. ça va piquer un peu. Ouh.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que j'ai le potentiel pour gagner? Bah oui. Ouais, Cette question, quoi. et est-ce que je le tente? Allez, patate. 2, 3. Au moins, t'as 2 points de victoire. Ouais, pour moi, je dépends en victoire. 1 et 2. Suivant. C'est complètement chaotique, ma carte. Je viens de faire avant 4 points dans la vente. Ouais, mais le dernier décompte, là, ça va être chaud patate. Patate. Voilà. La fatigue. Il est 22h21. Ouais, effectivement. Ça, c'est le fameux en dernier jeu avant d'aller faire dodo. Ouais. Il est en train de réfléchir. Ouais, mais en même temps, si je te fais ça, si je prends ça, tu vas forcément déclencher parce que t'as l'avantage. Donc, c'est le moment de prendre des risques. Hein. Deux. Bon. Oh bon. Ah oui, je peux. Déprime, oui, ça aussi. T'espérais en quoi en fait? Bah, autre chose qu'un pont. Ah. Oh, mais t'as deux cubes. Ouais. Toi? Un monstre, en fait, j'avoue que Un, j'espérais. deux. Non, il faut que je paye quand même. Deux, un et un. Attends, montre, 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 montre. T'avais ça? Oui. Tu peux revoir dans la vidéo après. Là. Tac. Tu gagnes 2 points de victoire. Et c'est tout. À toi. 1, 2, ça y est, on y va. On va tester le pro boss. Je te jure que si tu fais le boss, je me tâche. En même temps, je me suis pris une grosse arme exprès, donc j'espère bien. Voilà. Et voilà. Et 2 points de victoire. Bien joué, bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Première action. Deuxième action. Deuxième action. Est-ce que je réactionne? Non. Attends. Première action. Deuxième action, je vais combattre. Patate. 4 dégâts. Les Patate. patates. À Ouais, toi. première action, je combat. Et deuxième action, tu déclenches la fin de Ouais. partie. Donc potentiellement, je gagne quelques points supplémentaires. Pas vraiment. Mais là, non, 2 points quand même. Et troisième décompte, fin de partie. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5. 30 points. 30 points. Et moi, 12. 30. Hop. Tu peux Attends, ah quoi? oui, j'avais déjà fait un tour en fait. J'avais oublié de mettre le ticheton. Voilà, et maintenant le décompte final avec les monstres que l'on a récoltés. Ça.
Donc là, j'ai grâce à lui, ça me fait 12 points supplémentaires. Grâce à lui, j'ai 6 points supplémentaires. Et finalement, grâce à lui, j'ai 6 points supplémentaires aussi. Est-ce que j'ai des chats? Est-ce que t'as des chats? C'est des enclos avec des vaches. T'en as pas du coup? Non. Des montagnes. Ça, des Une fois. montagnes. Ouais, une Ok. fois. Ah oui. Donc 3 points. 1, 2, 3. Et est-ce que j'ai des ponts? Non. 4, 5 fois 3, ça fait 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est serré. Ah, c'est serré! Ouais, moi je suis à 124 et toi t'es à... 128. Ouais. Voilà. Donc bah, vous avez vu Minecraft, Builders and Attends. Biomes. Biomes. On retourne. Voilà. On sait toujours pas comment le prononcer, hein, Biomes ou Biomes ou pas. Constructeur et biome. Voilà. On espère que ça vous aura plu. En tout cas, nous, c'est un jeu qu'on apprécie particulièrement parce que, bon, justement, pour toutes ces interactions qu'il y a entre les joueurs, toutes ces prises de risques, toutes ces tensions, et ce côté vraiment où on a une gestion du timing qui est assez bien ficelée, quoi. Donc voilà. Si jamais vous le retrouvez aussi en magasin, donc n'hésitez pas, si il vous a tenté, à nous le demander. Très bien. Et puis nous, ben, on va aller se coucher maintenant. Ouais. Donc, au plaisir de vous retrouver en magasin. N'hésitez pas à vous retrouver aussi cette vidéo. Vous retrouverez cette vidéo aussi sur YouTube, j'imagine. Bon, oui, en fait, on va la mettre sur YouTube. On verra, on contrôle la qualité. Hein. Ouais. Bah, en gros, si elle est sur YouTube, c'est qu'elle était suffisamment bonne qualité. Et du coup, ils l'ont déjà trouvé, donc t'as pas besoin de le dire. Voilà, exactement. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à la partager, et puis surtout, ben, jouer, quoi. Amusez-vous et au Et vous pouvez plaisir. écrire dans les commentaires si vous avez aimé. Ou en Ou pas magasin. Ou aimé. en magasin, Voilà, pas en magasin. vous pouvez nous dire si vous avez aimé la Oui, vidéo non, aussi. aussi, mais... Très Bref, bien. interagissez. Voilà. À bientôt. Bientôt. Bye. Bonsoir et ciao, ciao.